L'homme du week-end dans le Faso Foot s'appelle Cheikh Djibril Ouattara, l'attaquant de l'ASFB élu meilleur joueur AGSB du mois de décembre par l'Association des journalistes sportifs du Burkina, a confirmé tout le bien que l'on dit de lui en recevant son prix samedi au stade Wobi de Bouodjoulasso. Grâce à son doublé, l'ASFB plie l'AS Police et s'installe dans le fauteuil de leader aux dépens de Salitas FC. Cheikh Djibril Ouattara sera l'un des invités de ce magazine des sports. Bobo Dioulasso dispose depuis samedi dernier d'un nouveau complexe sportif. L'infrastructure d'un coût estimé à 190 millions de francs CFA a été inaugurée par le ministre des Sports et des Loisirs Daouda Azoupiou et son prédécesseur, le docteur Taïrou Bangré de Yeguéré à la RTB. Daouda Azoupiou sera sur ce plateau pour nous parler de sa vision du sport et des loisirs au Burkina Faso. Chasseur de primes, c'est le nom du cheval vainqueur de la 5e édition du Grand Prix du président du Faso, disputé samedi à l'hippodrome de Amdalaï à Ouagadougou. Une victoire qui rapporte 2 millions de francs CFA. Vous aurez les grandes articulations de cette compétition hippique dans un instant. Le handball aussi était en activité ce week-end avec la première édition de la Super Coupe du handballeur qui a permis à la Lonabé et à l'USFA de confirmer leur suprématie sur la petite balle au Burkina. Les acteurs étaient également en conclave à la faveur de l'Assemblée générale où les grands changements en perspective ont été discutés. Ces deux activités seront développées par notre spécialiste handball maison. Amis sportifs, merci de nous rejoindre sur la RTB pour l'actualité sportive. On entame ce tour de l'actualité par le championnat national de football de première division qui a disputé sa 17e journée le week-end écoulé avec comme fait marquant le changement de leader. L'ASFB est aux commandes de la D1 grâce à sa brillante victoire 3-1 sur l'AS Police samedi au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le film de la rencontre avec Bilidou Bazongo et Rachid Sawadogo. En marquant à deux reprises contre l'AS Police, Cheikh Djibril Ouattara confirme sa bonne forme du moment. Une performance qui permet à Oscar Barrow et à l'ASFB de prendre la tête du championnat national après plusieurs années d'absence à ce niveau. Nous n'avons pas démarré ce championnat avec l'objectif de jouer le titre parce que nous avons une équipe totalement remaniée. Mais si aujourd'hui nous nous retrouvons en tête, nous n'allons pas cracher là-dessus. Nous allons tenir ça jusqu'à preuve du contraire. Alors ceux qui vont rencontrer la SFB vont nous rencontrer sur la route. Les policiers s'inclinent malgré une bonne entame du match. Quelques secondes après le coup d'envoi, Aboubakar Traoré dégaine. Son tir fait dégâts côté fonctionnaire de Bobo Dioulasso. On joue la première minute. Et le score est de 0 pour la CFB et pour l'AS Police. À la 9e minute, Cheikh Djibril Ouattara tente de remettre la pendule à l'heure. Sa tête échoue sur le poteau policier. Cheikh Djibril Ouattara revient à la charge à la 32e. Cette fois, le meilleur joueur à GSB du mois de décembre n'hésite pas et met les deux équipes en égalité. C'est sur ce score de 1 but partout que les deux équipes regagnent les vestiaires. Moment choisi pour l'Association des journalistes sportifs du Burkina pour primer le successeur de Draman Salou au palmarès meilleur joueur à GSB. De retour sur la pelouse, la CFB et l'AS Police sont au coude. Le ballon circule de part et d'autre. À la 69e, Seydou Ouédraogo cède sa place à Abbas Yabré. Deux minutes après, le nouvel entrant double la mise et donne l'avantage à la CFB. Cheikh Djibril Ouattara complète le score à 3-1 en fin du match. Ce soir, mon équipe a été méconnaissable parce que moi-même, c'est sincèrement pour vous expliquer pourquoi mes garçons n'étaient pas dans le jeu. Je ne peux pas l'expliquer, c'est irrationnel parce que je pense que dès les 30 premières minutes, j'avais au moins 2 à 3 garçons et tu demandais à sortir du jeu parce qu'ils n'en pouvaient plus. J'ai vu l'équipe de police jouer maintes fois et je connais un peu les forces et les faiblesses de cette équipe. Alors j'ai préparé un match en fonction de ça et où il fallait beaucoup de mobilité et moins de touches parce que je sais que c'est une équipe qui aime l'impact physique. Alors j'ai évité l'impact physique pour trouver les intervalles et procéder à des balles rapides. En battant l'AS Police 3-1 à cette 17e journée de première division du championnat national, la CFB s'installe dans le fauteuil du leader en attendant les prochaines journées.
SFB doit justement sa place de leader à cette belle victoire, mais aussi au faux pas de Salitas, défait par le RCK 1-0 au stade du 4 août de Ouagadougou. Les Faucons ont infligé aux académiciens de Salitas leur troisième défaite de la saison. Jean-Modeste Ouedraogo a suivi cette rencontre pour vous et voici son reportage sur les images de Salifou Belem. Les Faucons présentent un visage assez reluisant avant leur déplacement au Gabon. Face à Salitas, un sparring partner de haut niveau, les hommes de Kamoumalo se sont rassurés en ouvrant très tôt le score. Septième minute, Amani Sylla profite d'une mauvaise sortie du géant Mohamed Baylou et donne l'avantage au RCK. Les Faucons font une belle entame de match, ils empêchent les Salitasiens de dérouler. Les offensives des garçons de l'Adji Koulibaly sont vite maîtrisées par une défense du RCK sérieuse et appliquée. À la 29e minute, Amani Sylla, d'une frappe sublime, fait briller Baylou. La vraie réaction du Salitas s'est produite à la 44e minute. Cyril Kpan s'infiltre dans la défense, son centre crée un cafouillage. Mais derrière, Ismaël Sawadogo n'en profite pas. 1-0, c'est le score à la pause. Salitas est méconnaissable, le RCK joue bien le coup. À la reprise, Salitas tente timidement de réagir. La tête de Ahmed Sawadogo est repoussée in extremis sur la ligne. Le RCK ne force plus, les garçons sont bien en place et attendent les Salitasiens. Abdulaziz Traoré, dos au but, se retourne et frappe, mais Abaka Babayure Sawadogo est sur la trajectoire. Le leader Salitas baisse les armes et s'incline sur le score d'un 1-0 devant des Faucons plus que jamais confiants. En conférence de presse, mon alter ego déclare haut et fort qu'il veut être champion. Alors vraiment, il a bien fait de nous alerter. On a cru qu'il jouait le maintien. Mais maintenant, comme les intentions sont affichées, nous, nous devons défendre vraiment notre titre, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Nous avons essayé ce soir d'être une équipe vraiment dans l'organisation parce que nous n'avons pas peut-être la qualité de joueur que l'adversaire a, mais nous avons eu quand même un bloc très compact ce soir. Ce n'est pas la peine de dire que j'ai dévalé mon secret. Je vous ai dit au début qu'on avait un objectif. Et après ça, je vous dis que le titre, c'est normal, je dois le dire que je veux le titre. Il n'y a pas besoin de dire parce qu'il y a le champion en sortant là qui me bouscule. Moi, ce n'est pas mon problème. Bon, ça nous reste encore 13 matchs à jouer. Avec les 13 matchs, je crois qu'on a toujours la possibilité de jouer le titre. Bon, ça fait mal, j'ai perdu ce soir, ça fait mal, mais ce n'est pas la fin du monde. Salitas cède son fauteuil de leader à la SFB et devra cravacher dur pour sa reconquête. Lusco en embuscade n'a pas su profiter du faux pas du leader Salitas. En match avancé vendredi, les unionistes de la Comoé ont concédé le nul à Raïmo FC sur la pelouse du stade général Abakar Sangoulé, Lamizana de Bourou du Lasso 0-0. Bilidou Bazongo et Yaya Dembo Tamboura pour le reportage. Raïmo FC en bleu, West Comoé. L'affiche était pourtant prometteuse. Mais sur l'aide des jeux, la réalité est tout autre. Après quelques tentatives éphémères, les deux équipes produisent un jeu fade où aucune ne prend l'initiative. Résultat, 0-0 à la pause. La seconde période est identique à la première. Il faudra cependant attendre la 63e minute pour réveiller le public profondément endormi. Sur cette mauvaise sortie du portier du Raïmo FC, Sidi Diawara, le lob de Mahamoudou Fofana passe à côté. Les enfants de l'ancien international de football, Raïmo Ouedraogo, répliquent en fin de partie. Sur ce coup franc de Modi Cissé, Amadou Yao s'interpose. Contrairement à l'aller où Raïmo FC l'avait emporté 1-0 à Banfora, pensionnaire du centre sportif Noga Ouedraogo de Bama et unioniste de la cité du paysan noir, partage la part en deux. 0 but partout. Bourou avec le RCB qui s'est contenté de couper la poire en deux avec la reine des stades. Un but partout. Un résultat en deçà des ambitions des bleus blancs de la capitale, Jonas Apollinaire Kabouré.
Pour cette rencontre de la 17e journée, le Racing Club de Boubou, évoluant à domicile, avait certainement besoin de se refaire le moral après sa cuisante défaite de la journée précédente. Une mission somme toute difficile pour les Tigres de Diarra Boubou qui avaient en face d'eux l'étoile filante de Ouagadougou. Un beau duel en perspective entre une formation aux portes d'une éventuelle qualification pour les 16e de finale en Coupe CAF et une autre soucieuse d'améliorer sa position au tableau de classement. Mais la grande bataille tant attendue n'aura finalement pas lieu, les deux équipes ayant quelque peu démissionné au niveau du jeu. Des combinaisons approximatives de part et d'autre, des imprécisions dans les passes, de rares occasions de but et des fautes occasionnant des coups de sifflet intempestifs. Le spectacle n'était véritablement pas au rendez-vous dans cette première mi-temps. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les Tigres de Diarra Dougou parvenir à l'ouverture du score. Un coup franc intelligemment joué par Arduma Ouattara. Score à la pause, 1 pour le RCB, 0 pour les Faux. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne changera pas. Les deux équipes continuent de balbutier leur football. L'entraîneur de l'EFO a son explication. Vous avez regardé, on a fait 45 minutes, passable. Et quand on est revenu, Dieu merci, on a maîtrisé le jeu, on a eu la position du ballon. Et jusqu'à la fin, à la 45e, 46e minute, on marque le but d'ordinateur. Et je pense que c'est bon pour le moral et c'est bon pour la suite. Le match par moment tente de s'animer. Mais il n'en sera rien malgré ses tentatives avortées de part et d'autre. Le Racing qui croyait tenir sa victoire sera désagréablement surpris dans les arrêts de jeu. Entré au cours de la deuxième mi-temps, Yannick Pognongo sur cette tête bien appuyée égalise. Score final, un but partout. Nous venons d'une défaite la semaine dernière. Donc il s'agissait pour nous déjà de revenir pour prendre assez de confiance pour pouvoir aborder évidemment les autres matchs du championnat. Un score logique d'un but partout pour ces deux équipes qui visiblement n'étaient pas au mieux de leur forme. Le public est reparti quelque peu déçu. L'ASFA Yenenga d'après trêve était très attendu après sa victoire lors de la 16e journée. Mais les protégés de la princesse Yenenga n'ont pas pu dompter les poulains de Moussa Ouédraogo Mourinho dans la cuvette du stade du 4 août. Résultat au terme de 90 minutes d'explication. 0-0, comme nous le disent Rasmane Zundi et Lassina Sawadogo. Un match nul et une grosse frustration pour Moussa Ouédraogo et le SFA. Un match nul qui confirme à l'ASFA Yenenga que la remontada est possible. Les meilleures occasions dans ce match sont à mettre à l'actif de la formation militaire. 17e minute, Tidanza au centre devant le but asfasien. Personne à la réception. Encore Tidian actif sur le front de l'attaque, fait le job, mais manque son lob avant la pause. En seconde période, l'USFA continue de mettre le pied sur le cuir. Et à la 67e minute, Arnaud Bambara se joue de la défense asfasienne. Son centre est repoussé. La frappe de Tidiane passe au-dessus. Les militaires poussent, mais l'ASFA tient bon et au final accroche le SFA pour un bon point à prendre. Jusqu'à présent, c'est bon à prendre. Mais si on pouvait gagner plus, ça allait être mieux. Mais de toute façon, on ne va pas cracher là-dessus. Et l'essentiel, c'était de ne pas perdre et puis de donner un peu le moral à l'équipe. On a eu beaucoup d'occasions. Et même si c'était une occasion, on mettait dedans. On avait le gain des 3 points. Mais malheureusement, les attaquants n'ont pas été lucides devant le but. Bon, on va continuer à travailler pour cela. L'USFA cale. Pour l'ASFA, la persévérance doit être de mise. Même score de 0-0 pour Majestic qui recevait l'USO à Saponé. Pour autant, les occasions de but n'ont pas manqué dans cette rencontre équilibrée entre deux clubs qui se démêlent dans les profondeurs du classement. Issaka Ouédraogo, Samira Sana et Mahamadi Wena. Déplacement périlleux pour l'Union sportive de Ouagadougou après sa déconvenue face à l'ASFA Yenenga. En se rendant à Saponé, Noël Théan savait difficile l'opposition contre le Majestic Sporting Club. Et les 45 premières minutes ont donné à voir un match âprement disputé. Les quelques rares occasions de but sont pour les garçons de Amadou Sampo, mais le score est de 0-0 à la pause. À la deuxième période de jeu, l'élan enclenché par le Majestic FC se poursuit et est insoutenable pour l'USO.
ils assiègent le camp adverse. Une domination de courte durée car Luso se réorganise. À la 60e minute, Luso a l'avantage du score sur ce but de Oumarou Lawali, mais un but refusé pour hors-jeu. Les deux équipes se tiennent en haleine jusqu'à la fin du temps réglementaire. Majestic 0, USFA 0. Après l'arrêt du championnat, là, c'est notre premier match, le terrain, voilà, nul, c'est un peu difficile pour nous. Quand vous avez regardé la fois passée contre l'histoire en phase de relance et construction, là, on arrive à bien travailler, mais ici, là, on est obligé de s'adapter en fonction du terrain. C'est ça qui nous a compliqué un peu. Je pense que ce n'est pas la peine aussi de s'affoler, c'est de continuer à travailler, à croire et à insister au niveau des jeunes. Là. Ce match-là, il fallait le mettre sur le signe de l'engagement, hein, parce que là, la construction n'avait pas sa place. Il fallait aller va et coûte au charbon. Et c'était très disputé de la première à la dernière seconde. Si bien que nous sommes séparés dos à dos, ce qui est fort logique, avec un terrain assez difficile dans la construction, même s'ils maîtrisent leur espace. Un nul qui n'arrange personne. Les deux équipes devraient faire mieux pour quitter la deuxième moitié du tableau. Vous avez pu voir les résumés des matchs avancés vendredi. 2-1 pour l'AS Sonabel devant Bobo Sport et la JEP qui a dominé le Santos FC 2-1 également au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. Le classement à l'issue de cette 17e journée donne l'ASFB nouveau leader avec 31 points plus 12. Salitas est deuxième avec 30 points plus 7. L'USCO complète le podium avec ses 30 points plus 6. Le RCK est quatrième avec 28 points plus 3. Cinquième, l'EFO, 25 points plus 5, 6e l'USFA, 25 points. L'AS Sonabel gagne 2 places, 7e avec 24 points plus 5, 24 points plus 4 pour l'AGEB, 8e, avec 23 points plus 1, le RCB, 9e devant Majestic, 23 points. Raimo est 11e avec 19 points moins 1, pardon. 12e Uzo, 18 points moins 1. 13e Bobo Sport, 14 points moins 10. Désormais, aux abords de la zone de relégation, l'ASFA compte 13 points moins 7. L'AS Police tombe dans le rouge avec 13 points moins 10. Et le Santos FC ferme la marche avec 9 points moins 14. Et pour décrypter cette 17e journée, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, merci de me rejoindre sur ce plateau. On va parler du nouveau leader de la D1, l'ASFB. Oui, l'ASFB, Jérôme, qui plane sur l'eau depuis le mois de décembre. Hein. C'est d'ailleurs, ce n'est pas surprenant. On le saura tout à l'heure avec le joueur AJSB. L'ASFB, Jérôme, c'est la meilleure attaque déjà. Avec 20 buts, on le voit aussi dans les classements. Ils ont un goal à virage de plus 12. Ça montre que ça marque des buts du côté de l'ASFB. Et aussi, en termes de jeu, c'est une équipe qui produit des jeux. Lorsqu'on se rappelle, Jérôme, que cette équipe-là a perdu pratiquement plus de 5 joueurs cadres en début de saison, et se retrouver aujourd'hui leader du fast-foot. Je pense qu'il faut, en toute modestie, saluer le travail qu'a réalisé Oscar Barrault, déjà pour remettre cette équipe sur les rails. L'ASFB, c'est zéro défaite à l'extérieur. C'est à ne rien comprendre. Ils ne perdent pas à l'extérieur. On l'a vu ici la semaine dernière face au RCK. Ils ont puni le RCK. Et cette semaine, à Bobo Dioulasso, ils battent l'AS Police. Je pense que c'est une équipe qui est dans une dynamique assez intéressante. Et du côté du stade Obi, on a eu le plaisir de savourer vraiment un beau match. Oui, ça, vraiment, il faut le dire. Hein, lorsque une équipe joue de la sorte avec ce qu'on sait de la SMB, très peu de moyens, un entraîneur audacieux, il faut le dire, audacieux, qui s'appelle Oscar Barrault, il faut attendre de voir si la SMB pourra continuer sur cette dynamique. Déjà, qu'ils ne perdent pas à l'extérieur, s'ils arrivent encore à accrocher des matchs à domicile. Ça pourrait être difficile de les bousculer. Alors, on va parler des Faucons et de la Reine des Stades, qui sont nos deux représentants en campagne africaine. Oui, oui, c'était très attendu, Jérôme. La prestation et du Rail Club du Kadogo et de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Le Rail Club du Kadogo qui était opposé à l'ancien leader, Salitas. C'était un match au sommet de cette 17e journée. Et le RCK s'en est bien sorti. Après, déjà, on se rappelle sa défaite face à cette même équipe de Salitas en match aller. Les poulains de Kamoumalo gagnent 1-0. On l'a écouté d'ailleurs, lui qui a dit que c'était un sursaut d'orgueil lorsque Ladji Koulibaly a annoncé haut et fort que Salitas voulait être champion et non désormais voulait donc juste préserver sa place dans l'élite. Et donc tout le monde est prévenu maintenant, Salitas veut le titre et moi je pense que Jérôme,
le RCK oui, a marqué et surtout leur RCK. Oscar Barreau aussi l'a dit à demi-mot. Tout à fait. Voilà, tout donc fait, ça va être rude. C'est une grosse bataille. Ce qu'il faut saluer, c'est que le RCK a marqué. Le RCK a su défendre devant une équipe de Salitas qui est très joueuse. Le RCK a su défendre. Ce sera pratiquement un peu pareil hein, du côté donc, de Libreville le mercredi prochain face au centre de formation Mounana. Le RCK a un but d'avance. C'est très peu, mais ça peut être beaucoup si le RCK joue comment. Ils ont joué donc face à cette équipe du RCK. Mais il faut surtout, Jérôme, ne pas aller impérativement pour vouloir défendre le but. Il faut d'abord chercher à jouer parce qu'il y a de la place pour marquer un but à Libreville. Et puis après, au fur et à mesure que le match va avancer, on verra s'il faut changer de stratégie et puis verrouiller derrière pour conserver cet avantage qu'on a ici à Ouagadougou. Pour le temps, on en saura davantage avec nos envoyés spéciaux, Jean-Modeste Ouedraogo et Salifou Guilhem du côté ils sont pour de Libreville. Alors, le temps filant de Ouagadougou. Oui, le temps filant de Ouagadougou aussi. Vous savez que le temps filant a fait un 0-8 partout du côté de Bujumbura. On n'a pas le droit d'encaisser. Et doit impérativement gagner. C'est le mot d'ordre, gagner. On les attendait du côté de Bobo Dioulasso. Ils ont su réagir à l'ouverture du score du RCB, un but partout, même si hein, on écoute Jonas Apollinaire Caboré, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'engagement, on espère. Et là, on le sait, amis téléspectateurs, la philosophie des matchs de coupe, des matchs interafricains n'ont rien à voir avec la philosophie donc, des matchs de championnat. Le faux doit pouvoir se sublimer mercredi prochain sur le coup de 15h30 au stade du 4 août. Pour arracher son ticket pour les 16e de finale. Ce n'est pas négociable, le faux doit passer. C'est vrai que le faux a beaucoup de mal à marquer. Hein. Yannick Pounongo qui est arrivé de la SEC, on croyait qu'il allait être donc le Messi pour sauver le faux, ça ne va pas trop. Il voulait en intermittence. Oui, Blaise Yamego aussi en intermittence. On espère que les garçons de Bourema Kabore auront la baraka mercredi prochain pour arracher ce ticket pour les 16e de finale. Et ce match sera en direct? Oui, sur les antennes de la radio diffusion de télévision du Burkina, comme d'ailleurs le match aller l'a été pour le match RCK centre de formation Mounana. Et on va parler d'une autre équipe qui monte en puissance au tableau du classement, l'AS Sonabel. Oui, l'AS Sonabel. Quand on se rappelle encore des propos d'un monsieur comme Moussa Sanogo Falcao en première partie du championnat, c'était presque désespérant. Mais depuis un bout de temps, l'AS Sonabel, c'est 6 matchs d'affilée sans défaite, dont 4 victoires consécutives. On l'avait dit ici vendredi passé, l'AS Sonabel avait marqué 4 buts seulement et dans les 13 premières journées. Et l'AS Sonabel a marqué 9 buts dans les 4 dernières journées. C'est tout dire sur la dynamique actuelle de cette équipe des électriciens. Il faut souhaiter que cette dynamique continue. L'AS Sonabel est en train de monter au classement. L'AS Sonabel ne parle plus surtout hein, de relégation. L'AS Sonabel regarde maintenant vers le haut. Et toutes les équipes qui croiseront l'AS Sonabel, tout comme l'ASCB ou même Salitas encore, qui doit être frustré hein, de sa défaite face à RCK, auront du pain sur la planche. Et vous avez tantôt parlé de Cheikh Djibril Ouattara. Eh bien, c'est le joueur AJSB du mois de décembre. Son prix lui a été remis samedi au stade Wobi de Bobo Dioulasso à la faveur de la rencontre ASFB-AS Police. On a vu le meilleur joueur AJSB signé un doublé. Découvrez ce jeune homme qui suscite des interrogations par ses performances dans ce portrait signé Lassina Sawadogo. C'est ce qu'on appelle répondre présent. Djibril Ouattara a l'honneur ce samedi pour son prix de joueur AJSB du mois de décembre. Il a mis le stade Wobi d'accord sur sa forme et son niveau. Un doublé pour une victoire de l'ASFB. Les jaunes et noirs désormais leaders du face au foot. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso plane sur l'eau depuis le mois de décembre. Une performance dans laquelle Cheikh Djibril Ouattara est pour beaucoup. L'avant-centre des Buffles est l'une des pièces maîtresses du dispositif de Oscar Barreau. C'est un joueur plein de qualités. Seulement ce que je dirais, et il est un peu euphorique. Et c'est cet aspect que je suis en train de travailler avec lui. Et pour moi, il est en train de laisser tomber cette euphorie-là un peu. Et voilà pourquoi il est en train de progresser. Cheikh Djibril Ouattara, c'est désormais 8 buts depuis le début de la saison, 4 passes décisives et une forte implication dans l'animation offensive des jaunes et noirs. Je me rappelle encore de ce match ici même sur ce terrain de Sadou Wobi contre Bobo Sport où il a explosé parce que face à cette équipe, à lui seul, il a marqué 4 buts dans un match. Et je pense que Djibril a encore beaucoup de qualités à démontrer, beaucoup de choses à montrer au public burkinabé, mais il faut arriver à les canaliser, c'est ce que j'ai dit. S'ils ne sont pas canalisés, et c'est des talents que nous pouvons perdre. La première des récompenses pour le natif de Bobo Dioulasso
et sa sélection par Drissa Malo Saboteur pour le CHAN avec une place de titulaire au troisième match contre le Cameroun. Djibril a le sens du but et surtout du placement. Normal sans doute puisque le jeune attaquant vient d'un moule spécial, celui de Mamadou Zongo Bebeto, l'un des meilleurs de sa génération, aujourd'hui à vitesse de bobo. C'est ici qu'il a fait ses armes. Bon, il s'appliquait énormément puisque j'ai travaillé beaucoup individuellement avec lui, puisqu'il avait déjà le sens du but. Bon, maintenant, c'était les emplacements par rapport aux actions. On a vraiment beaucoup travaillé individuellement et on commençait la plupart à 30 minutes avant les autres. J'ai eu vraiment l'occasion à travailler avec Djibril Ouattara. C'est un joueur vraiment assidu à l'entraînement. C'est quelqu'un vraiment, il aime vraiment se battre. Voilà, il aime vraiment tout ce qui est vraiment dur. Voilà, et puis il cherche vraiment à avancer toujours. Djibril est titulaire d'un BPC obtenu l'année dernière. À 19 ans, tous les observateurs lui prédisent un bel avenir et à lui de savoir et pouvoir confirmer tout le bien qu'on dit de lui. Voilà, merci Lassina Sawadogo et on reçoit sur ce plateau le meilleur joueur HGSB du mois de décembre, Cheikh Djibril Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations pour ce prix que tu as brandi au stade Obi samedi dernier. Est-ce que déjà, on voit que ton mois de février commence déjà fort. Est-ce que tu penses déjà à rempiler, à remporter le prix encore pour le mois de février? Oui, effectivement, puisque depuis qu'on m'a annoncé que je dois avoir mon prix le samedi, je me suis dit, ah, il faut montrer aux gens que le choix des journalistes, ce n'est pas hasardeux. Et tu l'as bien montré. Oui, oui. Je me suis fait un doublé ce jour-là. Alors, on avait un peu peur que l'annonce ne te perturbe un peu, mais tu as prouvé tout le contraire. Alors, dans le portrait de Lassina Sawadogo, on a vu que tu étais au CHAN avec Drissa Traoré Saboteur. Et tu as suivi les deux premiers matchs depuis le banc. Quel était ton sentiment? Oui, bon, c'est le choix de l'entraîneur. On doit le respecter. Quand on m'a annoncé que je dois être titulaire pour le troisième match, je me suis dit, bon, j'étais un peu crispé. Mais après 5 minutes de jeu, je me suis retrouvé. Bon. Alors, on doit compter avec un Cheikh Djibril Ouattara qui va avancer, dans le championnat. Oui, oui, bon. Surtout en tant qu'élève du coach Oscar Barreau, je crois que je vais avancer. Alors, Lassina Sawadogo, c'est vrai, il a reçu un chèque de 100 millions. Pardon, de 100 000 francs. Les chèques de 100 millions viendront. Ça va venir. Nous n'y sommes pas pour le moment. Chèque de 100 000, un bon de l'équipementier Tovio et le trophée HGSB. Au-delà de cette récompense-là, est-ce que le prix HGSB peut être une opportunité pour le joueur? Écoutez, la preuve est là avec Draman Salou. Hein. Draman Salou qui a été le premier joueur JSB aujourd'hui se trouve du côté des partisans de Belgrade. Aujourd'hui, avec Djibril Ouattara, on a vu ses performances. Et samedi, d'ailleurs, vous y étiez, Jérôme. Au stade Wobi, il a réussi un doublé. Et s'est dit déjà que le choix, il était opportun, il était objectif. Et à Djibril maintenant de ne pas se mettre la pression. Il a reçu un prix, il veut encore en recevoir, mais il faut qu'il continue de jouer. Oscar Barreau l'a dit. Il faut qu'il canalise ses efforts pour éviter d'être trop euphorique. Mamadou Zongo aussi l'a dit, il travaille plus que les autres. Il faut qu'il continue de travailler plus que les autres. Et ce prix à HGSB Jérôme, c'est vrai, c'est pour Djibril, mais pour ceux qui nous regardent depuis la maison, pour les joueurs, qu'ils sachent que ce prix est un tremplin importantissime. Le portrait de Djibril que vous venez de voir sera diffusé sur les réseaux sociaux. Les recruteurs de par le monde verront ce portrait-là. Et Dieu seul sait si à l'issue de ce portrait, Djibril ne va pas taper dans l'air des recruteurs pour se retrouver ailleurs, même si à 19 ans, on aurait voulu encore le voir dans le championnat burkinabé pour encore des prestations. Mais vous avez parlé tout à l'heure de 100 millions et Djibril, là, déjà, il rêve de 100 millions, même plus hein, dans sa cagnotte. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Qu'il a un regroupement. Il a un regroupement ici avec les Espoirs. On est allé le choper donc du côté du Comète pour ce plateau
de la RTB. Donc on va laisser Ouattara retourner donc au Comet. La D2 était à sa 13e journée, l'AS Douane dans la poule A et l'AS Maya. Et absolument, je vais juste donner l'information et puis on passe à autre chose. Donc nous allons parler, donc ce sont les deux leaders, l'AS Maya et l'AS Douane. Nous en reparlerons dans notre édition de vendredi. Et puis 190 millions de francs CFA, c'est le coût du tout nouveau plateau omnisport de Yeguéré, c'est à Bobo-Dioulasso. Le joyau a été inauguré samedi en présence de nombreuses personnalités. Ali Traoré et Martin Zerbo étaient à la cérémonie d'inauguration et voici leur témoignage. C'est le nouveau visage du plateau omnisport de Yeguéré. Entièrement rénové à plus de 180 millions de francs CFA, l'infrastructure sportive dispose désormais de terrains pour la plupart des disciplines. À cela, il faut ajouter des vestiaires ou encore des toilettes. En rétrocédant ce jour la gestion de ce joyau à la commune, le ministère veut promouvoir le sport dans cette partie du Burkina Faso. L'accroissement des infrastructures sportives et de loisirs doit permettre à terme à notre jeunesse de pouvoir se former pour que nous puissions identifier des talents afin que de plus en plus, de mieux en mieux, nous ayons donc à un niveau très élevé des représentants pour défendre les couleurs donc de notre pays. Cette infrastructure contient beaucoup de sports, du basketball au football en passant par le hand, même le karaté qu'on a oublié, le judo aussi, la pétanque qui viendra. Donc je pense que vraiment c'est salutaire donc d'implanter donc ces infrastructures-là partout. Moment de retrouvailles, cette cérémonie d'inauguration est saluée à sa juste valeur par la partie bénéficiaire. C'est une grande joie pour la population de l'arrondissement numéro 2 et dans son ensemble la commune de Bobo-Dioulasso. En tout cas, je pense que ça vient susciter encore l'envie de pratiquer le sport, toute chose que nous travaillons à faire la promotion. La rénovation du plateau Yeguéré s'inscrit dans le plan national de développement économique et social qui ambitionne d'offrir 26 autres infrastructures sportives réparties dans tout le Burkina Faso d'ici à 2020. Et nous recevons sur ce plateau le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, M. Daouda Azoupiou. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Alors, vous étiez du côté de Yeguéré pour l'inauguration du plateau des Sports. Alors, c'était le cheval de bataille du docteur Tayrou Bangue, qui était à la tête du département. Alors, est-ce que vous vous inscrivez dans cette ligne-là où il faut s'attendre à une réorientation de la politique du ministère des Sports et des Loisirs? Merci. La politique nationale des Sports et des Loisirs a été adoptée le 8 novembre 2017 en Conseil des ministres. Elle constitue désormais le seul référentiel d'intervention dans le domaine des sports et des loisirs. Elle décline des orientations qui, elles, tirent leur fondement des référentiels tels que le programme présidentiel, le plan national de développement économique et social, l'étude nationale prospective 2025. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des grands axes de cette politique-là? Oui, cette politique décline des objectifs. On peut entre autres parler de l'accroissement des infrastructures de sport et de loisirs. On peut également parler de la formation à la base pour détecter les talents, assurer un encadrement pour préparer donc les élites en matière de sport et de loisirs dans notre pays. Il y a également, en troisième partie, le développement du sport de masse et l'amélioration du fonctionnement des fédérations. Alors, Monsieur le ministre, vous avez tantôt parlé d'infrastructures, d'accroissement du nombre d'infrastructures sportives, mais on sait qu'il y a certaines infrastructures quand même qui sont là et qui connaissent des problèmes. Je pense à la maison des arts martiaux du côté du stade du 4 août qui est sans eau ni électricité. Je pense au stade de Kaya qui connaît des difficultés, pas mal d'infrastructures comme ça. Est-ce que vous allez marquer un arrêt pour regarder un peu ces problèmes-là ou vous allez poursuivre dans la lancée de l'accroissement?
Alors, pour ce qui est donc de la construction de la maison du karaté, je pense que c'est un projet du comité olympique. Le ministère n'est pas beaucoup impliqué dans sa réalisation, mais s'il y a des difficultés, puisque c'est nous qui capitalisons, nous allons nous y intéresser et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution pour que cette infrastructure-là soit achevée dans les normes et qu'elle puisse être mise à la disposition des utilisateurs. Voilà qui est bien dit. Alors, on parle aussi du statut du sportif de haut niveau. Où est-ce qu'on en est exactement à ce jour? Oui, concernant le statut de haut niveau, il faut dire que globalement, l'un des objectifs de la politique nationale, c'est de combler le vide juridique et réglementaire. À ce titre, une commission a été mise en place au niveau du ministère qui s'est penchée sur la relecture de l'ensemble des textes qui sont aujourd'hui en train d'être regardés par un spécialiste en la matière. Bientôt, ces textes-là vont être mis à la disposition de nos partenaires pour faire donc les différents amendements, après quoi nous allons suivre tout le processus pour les transmettre donc en Conseil des ministres. Donc ce n'est pas demain la veille. Parlons de la bourse accordée aux footballeurs uniquement. Est-ce qu'il faut revoir la formule ou faut continuer dans la lancée? Oui, la bourse qui est accordée aux footballeurs, il faut reconnaître que c'est une initiative qui a été prise par mes prédécesseurs, qui consistait effectivement à allouer une bourse aux footballeurs. Mais il s'est trouvé qu'entre-temps, les clubs avaient souhaité plutôt que cette bourse-là soit reversée à leur niveau pour que la gestion se fasse au niveau donc de la direction. Sinon, elle provient donc du fonds, c'est le fonds qui alloue donc cette bourse. Et je pense que nous allons continuer donc de la donner et éventuellement voir dans quelle mesure on peut regarder s'il faut l'améliorer. Alors, le RCK et l'étoile filante de Ouagadougou qui seront sur l'échiquier africain pour les Coupes africaines, un mot d'encouragement à ces deux équipes? Oui, le RCK et l'EFO sont les deux équipes championnes qui représentent notre pays dans les Coupes CAF et dans la Champions League. Et l'année dernière, le RCK a joué contre le Mounana FC sur le terrain du 4 août. Nous y étions. Le score là, évidemment, était en faveur donc du RCK, 1-0. Nous avons eu l'occasion donc de féliciter les joueurs et de leur adresser tous nos encouragements. Nous avons également fait des suggestions donc à l'encadrement pour faire un recadrage de manière à ce que le match retour, que le RCK puisse tirer son épingle du jeu. Alors, l'EFO également était à Bujumbura, où le score, on le connaît, c'est 0-0. Je pense que c'est un avantage certain pour l'EFO, parce que le match a eu lieu donc à l'extérieur. Et nous pensons que au match retour, l'EFO doit pouvoir tirer également son épingle du jeu. Nous encourageons donc ces deux équipes à poursuivre, car nous avons regardé, elles ont des possibilités, elles ont les capacités d'aller très loin. Et c'est sûr aussi que les difficultés ne manquent pas avec ces deux équipes, généralement les équipes qui sont en campagne africaine. Mais de cela, il sera question une prochaine fois à d'autres occasions. Mais, monsieur le ministre, il y a également les talons boulistes qui ont remporté l'édition 2018 du tournoi international de Kayes au Mali en battant le Sénégal en finale 13-11. Un mot pour les talons boulistes? Oui, les talons boulistes font la fierté donc de notre pays à ce titre-là. Nous ne pouvons que les encourager et leur souhaiter bon vent. Et on espère que quelque chose sera fait. En tout cas, monsieur le ministre, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau et vous restez avec nous pour la suite du magazine. Merci. Les étalons dames sont éliminés du tournoi UFOAB Abidjan 2018 après leur défaite 1-4 devant le Ghana. En trois matchs, les étalons totalisent une défaite, un match nul 1-1 contre la Côte d'Ivoire et une victoire 5-1. Sur le Niger. Il faut désormais compter avec la Super Coupe du handballeur dans le monde des compétitions sportives au Burkina. La première édition disputée samedi au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou a été une copie conforme des finales nationales seniors. Il n'y a donc pas eu de revanche pour les finalistes qui n'ont rien pu faire face à la Lonabé et l'USFA, les super championnes Nongba Kouda et Christelle Dabry. La nouvelle trouvaille de la Fédération burkinabé de handball découle d'un constat.
disons, un manque d'événements qui allait marquer solennellement donc l'ouverture du championnat au niveau de la fédération, mais également qui incite les clubs qui doivent jouer la finale à travailler pour être en jambes pour la jouer. En l'absence de la Coupe nationale pour le moment, ce sont les champions et vice-champions dames et hommes qui se retrouvent pour cette première. Une occasion pour conforter ou prendre sa revanche. Le face-à-face Sonabi Ambla et USFA a été bien négocié d'entrée de jeu par les pétroliers. Les vice-champions ont surfé longtemps sur la rencontre. Le trio Rachid Kanazoué, Jules Sawadro et Jimmy Luna Kuluma permettent aux Blancs de prendre un léger avantage de 19 à la pause. Dans l'autre camp, le duo Aboubakar Tchindre Biogo, meilleur handballeur HGSP 2017, et Boris Drabo montrent qu'il y a du répondant à l'USFA à la reprise. Il rejoint les pétroliers, les devance en creusant de plus en plus l'écart. Les Blancs tentent un retour, vite annulé par les Rouges, décidés à asseoir leur suprématie sur le handball masculin. Les militaires apprivoisent les pétroliers avec 3 buts d'écart, soit 20-17. Bon, pour le moment, on a gagné, mais bon, dans le fond de jeu, je ne suis pas trop content de mes joueurs. Il y a eu beaucoup de déchets, mais comme c'est une coupe de mise en jambe, bon, nous disons que peut-être avec le travail, on pourrait améliorer encore davantage notre jeu. Nous ne pouvons que nous féliciter des efforts en tout cas déployés par les acteurs. Ce n'est pas mauvais. Je pense qu'à la fin, vraiment, on a pris des buts, mais ce n'est que partie remise. L'ASFA Yeninga s'est une fois de plus fait piéger par la Lonabe Handball Club. On a des joueurs chez nous qui sont, comme j'allais dire, qui ont près de 40 ans. Donc c'est difficile quand même de suivre le rythme pendant que les autres sont assez jeunes. Les filles de Saint-Plice sommet fort de leurs expériences amenées par les vétérantes Yvonne Sanou, Jacqueline Palme, Honoré Noudofini, Rosine Ouattara vont craquer en deuxième période après avoir maîtrisé la première sur le fil 19. Les Rouges de la Lonabe Handball Club se réveillent pour faire passer de moments difficiles aux jaunes verts. Amal Lamoukri et les sœurs Kemde font basculer le match à leur compte. Au vu de leur efficacité, l'ASFA Yeninga abdique 18-23. C'est une compétition à saluer. Nous sommes très heureux de la prendre, même si c'était un peu limite. Parce qu'on avait quasiment commencé la préparation physique. Donc on a dû écouter ça pour pouvoir préparer le match. L'année prochaine, comme on est au courant maintenant, on va se préparer davantage. Chanter l'hymne national avant le début de ces rencontres, c'est bien, mais qu'il résonne hors de nos frontières serait mieux. Les clubs ont été approchés officiellement par la Fédération Burkinabé de handball pour le championnat d'Afrique des clubs champions qui doit se jouer donc, au Caire en Égypte. Nous sommes à l'heure actuelle donc, en échange avec ces clubs pour les accompagner sur tous les plans. Le président nous a adressé effectivement des correspondances qui ne datent pas de plus d'un mois. Et actuellement, nous avons un problème parce que nous avons au moins 5 éléments qui sont déployés au nord dans le cadre de la sécurisation du Burkina Faso. Donc le sport, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas prioriser ça au détriment de notre mission première des forces armées qui est la défense du territoire. En attendant que les partis accordent leur violon, les perdants repartent avec 150 000 francs, les vainqueurs 250 000 francs plus la coupe. Une coupe dédiée à Stéphane Nana Bob, arrachée à jamais des plateaux il y a quelques temps. Et on reste dans le milieu de la petite balle avec la fédération qui a tenu une assemblée générale en marge de la Super Coupe du handball. Une opportunité pour les acteurs d'échanger sur les nombreux changements en cours à la fédération burkinabé de handball. On retrouve Nangba Kouda et Christelle Dabré pour le point de la rencontre. Le burkinabé aspire à plus de professionnalisme. Il voudrait se conformer aux tests africains et internationaux pour être compétitif. Un idéal qui l'oblige à une relecture et à un toilettage de ses différents règlements en vigueur. Ces délégués venus de toutes les ligues régionales doivent être sur le même niveau d'information, d'où la tenue de cette assemblée générale. Après avoir pris connaissance des changements qui devraient intervenir dès la saison 2018-2019, il pose néanmoins certaines inquiétudes. On aimerait que catégorie cadela, on laisse les extraits de naissance là seulement. Et maintenant, junior et puis senior, bon, on peut compétir avec les CNB. Les actes de naissance, on les utilise depuis, mais
ça occasionne toujours un peu de la fraude. Or, nous, nous voulons toiletter vraiment et enlever carrément la fraude de notre discipline. C'est pour ça que nous voulons exiger des CNIB. La fédération pourrait aider à acquérir ces CNIB, mais il faut qu'on y arrive. Sinon, lorsque nous allons en équipe nationale, on se rend compte que le joueur que nous avons sélectionné, qui est cadet, quand on demande par exemple de faire un passeport, il est bloqué. Et nous, ça nous bloque aussi. Toujours dans les réformes, aucun transfert ne se fera plus sans conséquences financières pour le club de départ, le club d'accueil, eux-mêmes celui formateur. Les sommes varieront de 100 000 à 300 000 francs en fonction du temps mis, de la provenance, de l'âge du joueur. Une aubaine pour les clubs formateurs. Pour vous, c'est une zone de formation et chaque année nous formons et ça part comme ça aussi. Et il n'y a pas gain de cause, il n'y a pas de retour ni rien. Donc pour dire que tout revient au centre ici, et voilà, nous ça nous amène encore à former. Bon, comme il y a eu ce changement, je crois que ça c'est favorable pour nous. L'équipe de Stéphane Tchenderbego a aussi fait le bilan d'une année de mandature jugée assez satisfaisant. On a réussi à organiser les différents championnats. La fédération a réussi à supporter les ligues dans leurs activités sur le terrain. Et on a aussi participé à des compétitions internationales où on s'en est bien sorti. Cette année, on allait en Coupe du Monde. C'était une très bonne chose pour le handball burkinabé. Donc, au vu de tout ça, il faut apprécier et il faut chercher à avancer. Quitus a été donné au bureau exécutif de poursuivre les réflexions en tenant compte des réalités et du contexte régional des uns et des autres pour un handball d'élite, mais aussi représentatif. Et dès cette saison, le championnat minime passe de zonal à national. Il y aura aussi la première édition de la Coupe du Faso version handball. Le championnat lui reprend service dès le mois de mars dans la région du centre. Et de l'hippisme comme annoncé en titre, l'hippodrome de Hamdallah était en effervescence samedi dernier à l'occasion de la 5e édition du Grand Prix du président du Faso. L'épreuve a été remportée par un cheval du nom de chasseur de prime qui offre la somme de 2 millions de francs CFA à son propriétaire. Paul David Bambara et Abdoulaye Kabouré vous font vivre la bataille des sabots dans ce reportage. Le cheval, cet animal noble, qui est choyé dans les palais royaux africains et mondiaux, est à l'honneur ici à l'hippodrome de Hamdallah. La 5e édition du Grand Prix du président du Faso connaît une foule de grands jours et la présence des autorités non des moindres. Depuis le début jusqu'à cette 5e édition, il plaît au chef de l'État d'apporter sa touche pour accompagner la fédération, pour accompagner cette compétition. Et il était normal, même s'il est absent du pays, qu'il puisse être représenté à cette 5e édition pour saluer tous ceux qui se battent pour que les sports équestres se développent au Burkina Faso. Quand vous prenez tout ce qu'il y a comme emblème, quand vous regardez les étalons du Faso, quand vous regardez même dans notre histoire, le cheval a un rôle très important dans notre histoire. Et il était normal que nous puissions accompagner vraiment cette activité. Ce sport-là, nous devons travailler ensemble à lui donner donc ses lettres de noblesse et encourager tous ceux-là qui s'investissent vraiment dans les chevaux. Il y a 4 courses au programme, dont la plus attendue est celle des 2800 mètres. Il y a 11 chevaux au départ. Dès le top, les chevaux les plus aguerris se signalent. Dieu est grand, le Dossard 1, Télois, Dossard 7 et Chasseur des Primes, Dossard 4, mènent le bal. Au finish, c'est l'endurance qui va primer. Chasseur des Primes met tous les autres d'accord en franchissant le premier, la ligne d'arrivée, et enlève le grand prix, soit 2 millions de francs CFA plus le trophée. Il est suivi de Dieu est grand, deuxième, 1 million de francs CFA, et Télois, troisième, qui empoche 500 000 francs CFA. Bon, il y a une logique qui est là. Premièrement, on n'a pas de terrain pour entraîner nos chevaux à Ouagadougou. Donc on les rapatrie à Niamey sur le sable pour les mettre en condition. Quand la course reste 4 jours, on les rapatrie à Ouagadougou pour la course. Donc les concurrents qu'ils courent avec, sans vous mentir, ils ne sont pas de la même catégorie. Les 3 autres courses ne sont pas moins en vue. L'épreuve des 2100 mètres a vu 18 concurrents se mettre en évidence. Et c'est France 24 Dossard 6
qui dicte sa loi aux autres. Il est suivi respectivement de tout à l'heure Dossa 10 et Rango Dossa 12. France 24 repart avec 600 000 francs CFA plus un trophée. Tout à l'heure obtient 400 000 francs CFA et Rango 250 000 francs CFA. La course des 1400 mètres connaît également des chaudes chevauchées. La lutte pour le titre est âpre et c'est une jument, Rennes, Dossard 15, qui enlève le titre devant Kiswen Sida, Dossard 19 et 3e Prézi Sahel. Rennes enlève les 400 000 francs CFA plus le trophée. Dans l'épreuve des 1400 mètres B, le cheval Santiago est premier. Il obtient 200 000 francs CFA. C'est la satisfaction parce que la course s'est bien terminée. Il y a eu un accident, mais Dieu merci, ce n'est pas grave. Donc nous avons une satisfaction vraiment pour cette Coupe du Président. Il a été donné au public d'apprécier les séances de voltige, exécutées avec maestria par des avertis de la chose. C'était également une occasion pour la Fédération Burkinabé de Sport Équestre de reconnaître les mérites de certaines personnalités qui soutiennent cette discipline. Grande foulée pour la paix, une initiative du réseau des médias pour la paix par le sport, section du Burkina. Et pour en parler, je reçois le coordinateur national qui n'est autre que Mahamadou Wena. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière le concept de « je cours » grande foulée, pardon, pour la paix. La grande foulée pour la paix, c'est un concept initié par la coordination du Burkina du réseau des médias pour la paix par le sport. Il faut dire que d'abord, ce réseau, c'est un réseau créé au Bénin en 2010 et par des journalistes et des personnes de recherche œuvrant dans la recherche de la paix. Et ce réseau, dans sa volonté d'internationalisation, est arrivé au Burkina l'année dernière. Et aussi dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, et un peu même jusqu'à... Et même au-delà. Oui, en Afrique centrale et attaque actuellement le Maghreb. Et ce concept dont vous voulez de parler, c'est un concept d'essayer d'éduquer par les médias et amener les gens à mieux comprendre ce concept de sport par la paix. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'on veut... Quand il y a des conflits entre pays ou entre même à l'intérieur des pays, on joue des matchs de football ou bien des compétitions de course ou bien de lutte pour ramener la paix. Et c'est ce concept-là qui est mis au devant par le RMPS. Alors, on va dire que c'est un cross, hein, la grande foulée. Et le circuit, ça va se passer comment? Oui, la grande foulée, c'est... Déjà la date, c'est... La grande foulée pour la paix, c'est pour le samedi 24 février, et à Ouagadougou le matin. Voilà. Le circuit, le point de départ, c'est l'ancien bâtiment du ministère des Sports et des Loisirs. C'est, quand on dit ancien bâtiment, le ministère est toujours là-bas, mais c'est une partie, c'est pas le nouveau bâtiment, c'est l'ancien bâtiment qui est situé au niveau de l'avenue de l'indépendance. Voilà, au niveau de l'avenue de l'indépendance. Du rond-point de la Nations. Voilà, et justement, le départ, c'est là-bas, et on passe par le rond-point des Nations Unies. Et on emprunte l'avenue Kwame Nkrumah jusqu'à la jonction de l'avenue de l'aéroport. Et à partir de là-bas, on prend l'autre sens de l'avenue Kwame Nkrumah et avec un arrêt au niveau du Capuchino. Oui, le trajet inverse dans l'autre sens. Un arrêt au niveau du Capuchino. Vous savez, c'est un symbole parce que c'est pour rendre hommage à toutes les victimes des attentats au Burkina Faso. On sait que le Capuchino a été l'un des coins les plus, surtout le coin qui a été le premier à être attaqué à Ouagadougou. Alors, il y a des personnalités qui sont associées à cette manifestation. Oui, il faut dire que ce cross sera sous la présidence du ministre des Sports et des Loisirs et parrainé aussi par Omar Razak Tarsoba, qu'on connaît, ancien dirigeant du RCK. Et ancien joueur. On a vu au passage au Maroc, qui a réchaussé les crampons voilà. Pour le match des anciens internationaux. Il a joué, on l'a vu, Razak Tarsoba encore, qui a montré qu'il a encore du feu dans les jambes. Voilà. Donc, ce sera sous son parrainage et aussi le co-parrainage d'une
dame qui œuvre aussi dans le sport, même si elle n'est pas très connue, Alima Ouedraogo, qui est agent dans une société de La Place. Donc, c'est deux personnalités qui se coparrainent, et je l'ai dit tantôt, sous le patronat du ministre des Sports et des Loisirs. Et c'est environ 500 personnes qui sont attendues à ce cross. Donc, vous avez dit qu'après le cross, il y a un peu d'aérobic. Voilà, c'est donc, cela. On donne rendez-vous à tous ceux qui veulent courir pour la paix. Oui, le concept, samedi. C'est courir pour la paix. Et voilà, donc samedi 24 février, à partir de 7h, devant l'ancien bâtiment du ministère des Sports et des Loisirs. Quand on dit ancien bâtiment, ça ne veut pas dire que le ministère n'existe plus là-bas, mais maintenant, on comprend qu'il y a deux bâtiments. On se comprend. Voilà. Alors, merci à vous, Mahamadou Ouena. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du réseau des médias pour la paix par le sport, RMPS, section du Burkina Faso. Spécial Olympics, Burkina organise ses Jeux nationaux du 22 au 24 février prochain à Ouagadougou. Activité phare de la structure, ces Jeux vont regrouper 357 athlètes déficients intellectuels venus de 35 localités du pays. Elle fait tout autrement et en bien. Elle s'appelle Coris Banque Internationale. Pour marquer d'une pierre blanche ses 10 ans d'existence, Coris Banque Internationale a mis en compétition footballistique des établissements professionnels de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. En finale, samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou, l'ISSDH s'est imposé 3-0 devant l'ISFP pour s'adjuger le trophée de la décennie de vie de Coris Banque Internationale, Adama Guiti et Salifou Ouedraogo. 2008-2018, Coris Banque a 10 ans. Et dans le cadre de la commémoration de sa décennie d'existence, la banque autrement a mis 20 équipes des écoles professionnelles en compétition de football. Cette compétition, dénommée Tournoi Inter-École Professionnelle, veut susciter l'esprit de camaraderie au sein des futurs cadres du pays. L'occasion du 10e anniversaire de Coris, nous avons jugé qu'il était important d'associer la jeunesse, d'associer notre clientèle cible, et constituée donc par les futurs dirigeants de ce pays. Ce sont l'Institut des sciences des sports et du développement humain ISSDH en rouge et l'Institut supérieur des filières professionnalisantes de Bobo ISFP qui ont eu l'honneur de disputer cette finale. Après les civilités, place au spectacle. La première période est un peu équilibrée avec moins d'activités offensives de part et d'autre. Et c'est en seconde partie que les choses vont s'éclaircir. Les Bobolais mettent d'emblée le pressing sur le rouge, mais ils seront écœurés à la 53e minute par Romaric Ouattara. 1-0 pour l'ISSDH. L'ISFP tente de réagir. Hélas, ils vont craquer une fois de plus à la 69e minute. Haruna Ouedraogo, après un beau travail, crucifie le portier Bobolais. 2-0 pour les Rouges. Pendant que les hommes de l'ISFP manquent de fraîcheur physique, les messieurs sportifs de l'ISSDR profitent pour clore la soirée par un troisième but signé Prosper Ramdé. 3-0 au final pour l'ISSDH. Une école de sport, bon, on a toutes les ressources nécessaires. Voilà. C'est vrai que nous sommes déçus. On était venus pour prendre la coupe. Naturellement, on est déçus. Mais je pense que nous avons une équipe dynamique et nous allons nous préparer pour les compétitions à venir. Nous sommes très heureux du bon déroulement du tournoi. Surtout de l'esprit qui a prédominé tout au long du tournoi, qui est un esprit fair-play, un esprit de fraternité, de convivialité. En tout cas, l'équipe de Bobo n'a pas démérité, mais comme il faut un champion, nous sommes heureux effectivement de voir ce champion-là, qui est une équipe de Ouagadougou. En tout cas, bravo et félicitations à tous ceux qui nous ont aidés pour l'organisation de ce tournoi-là. L'Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP, finaliste, se contente de 500 000 francs CFA. Un trophée, 1 million de francs CFA pour l'ISSDH, vainqueur du tournoi inter-école professionnelle.
Félicitations à l'ISSDH et joyeux anniversaire à Coris Banque Internationale qui fait la banque autrement. Page inter de ce magazine après sa victoire sur le PSG. Mais avant d'y arriver, on va. Jean-Modeste Ouédraogo n'est pas là, mais la rubrique Écho des pros sera animée par Mahamadi Ouena. Vous êtes toujours sur ce plateau. Alors, on va parler de nos professionnels et surtout Bertrand Traoré qui a fait mal ce week-end. Oui, Bertrand qui a fait un doublé ce week-end, c'était hier. À Lille, dans le cadre de la rencontre Lille-Lyon, il a inscrit deux buts. Malheureusement, ces deux buts n'ont pas permis à Lyon de s'imposer. Le match s'est terminé par un score nul de deux buts partout. Mais il faut dire que c'est le premier doublé de Bertrand en Ligue 1. C'est pas le premier doublé avec son club, mais c'est le premier doublé en Ligue 1. Et Bertrand, depuis son retour des blessures, est dans quand même une bonne dynamique. Ça fait son cinquième but. Ça fait cinq buts lors de ses six dernières titularisations. Ça fait quand même une belle performance pour le joueur de Lyon. Vous avez des nouvelles de Préjus Nakoulma? Oui, Préjus Nakoulma qui revenait de blessure parce que depuis pratiquement un mois, le joueur était convalescent et il était sur la feuille de match de Nantes, du déplacement de Nantes à Nice. Et Nantes et Nice qui ont fait jeu égal d'un but partout. Malheureusement, Préjus Nakoulma n'a pas foulé la pelouse. Mais c'est déjà bon signe. Oui, c'est déjà bon signe pour son retour. Alors, oui, on va terminer avec une bonne nouvelle du côté du FC Malines de Bourama Bandé. Bourama Bandé qui a été titulaire pour le championnat. Et il faut dire que Abou Kadir Ouattara, qui est arrivé au Mercato, qui était à Salitas, qui a disputé toute la première partie de la saison du championnat national de première division avec Salitas, qui est allé au Mercato et au niveau de FC Malines, il est rentré en cours de jeu. Et il faut dire qu'il est parti au FC Malines avec Boni Trova, le défenseur Boni Trova. Et ça fait trois Burkinabés qui sont dans ce club de FC Malines. Un bon contingent. Alors, contingent. On est pris par le temps, donc on va vous dire. Il y a un autre professionnel aussi qui était en activité ce week-end. Oui. On parlera de Malo. Oui, mais on voilà, verra, pas en activité, mais voilà. Donc voilà. On verra donc. Mais avant, on va. Oui, on peut parler tout de suite de Malo. Le 18 février 1992, bébé Patrick Malo voyait le jour à la maternité de Gounguin. 26 ans après, le bébé devenu footballeur international revient sur le lieu de sa naissance avec les bras chargés de matériel et équipements médicaux. À l'évidence, la maternité de Gounguin n'oubliera pas de sitôt le passage de gratitude de l'étalon Gérard Sommet, Maria Ouattara et Kalfa Ouattara. Un anniversaire sous le signe de la reconnaissance. 26 ans après avoir poussé ses premiers cris à la maternité de Gounguin un 18 février, l'étalon Patrick Malo vient en aide à la structure. Un anniversaire marqué par un don de matériel composé entre autres de matelas, des tables d'accouchement, des cartons de gants. Au-delà du geste, le choix du lieu et de la date reste hautement symbolique. C'est l'anniversaire du joueur aujourd'hui, notamment l'international burkinabé Patrick Malo, qui a tenu donc à honorer d'un grand geste la maternité de Gounguin, où il a vu le jour, en ce 18 février également d'il y a quelques années. Donc avant de faire ce geste-là, nous avons pris contact avec la maternité et les responsables pour savoir le besoin de la maternité. D'une valeur d'environ 850 000 francs, cet équipement vient combler les déficits qui étaient ressentis au sein de la maternité. Le matériel est un besoin qui a été comblé parce qu'auparavant, un ami à M. Malo est passé nous demander ce dont nous avions besoin à la maternité de Gounguin pour améliorer la qualité de nos prestations. Et effectivement, on avait un problème de table d'accouchement qui était déjà défectueux. On avait également du matelas qui est là, mais pas de bonne qualité. Donc, on lui a soumis ce dont nous avions besoin. Également, les boîtes d'accouchement sont là, mais en quantité insuffisante.
Donc, c'est nous qui lui avons un peu guidé. Patrick Malo est sociétaire du Sporting Club de Wadi Degla, en Égypte. Bravo donc à l'international. Et Mahamadou, et avant de vous laisser partir, vous allez suivre avec moi la victoire du Real Madrid à Séville face au Betis. Et nous allons commencer la page inter avec la victoire de l'Olympique de Marseille sur Bordeaux. L'OM solide, troisième de la Ligue 1. Brillant mais parfois fébrile ces dernières semaines, Marseille a su être pragmatique et solide hier soir. Car face aux Olympiens, il y avait des Bordelais venus défendre principalement. Résultat, la solution est trouvée sur corner, Payet pour Thauvin, après la demi-heure de jeu. 15e but de l'international français en Ligue 1 cette saison. Un but qui ne change rien à la physionomie de la rencontre. Bordelais le plus en évidence hier, Benoît Costil. Marseille s'impose 1-0, 8e match de suite sans défaite en championnat. Une régularité qui permet à l'OM d'être invaincu en 2018, toutes compétitions confondues, 9 victoires et 2 nuls, avant 3 déplacements, dont 2 au Parc des Princes. Soirée contrastée pour le Real Madrid. Marcelo sorti sur blessure, mais un succès 5-3 au Betis Séville. Doublé d'Asensio, réalisation de Ramos, Ronaldo et de Benzema, remplaçant qui n'avait plus marqué en Liga depuis le 25 novembre. Autre Français en vue hier en Espagne, ceux de l'Atlético contre Bilbao. Griezmann, passeur, Gamero, buteur et passeur. 2-0 pour les Colchoneros qui ont 7 points de retard sur le leader barcelonais. En Italie, statu quo en tête, le Napoli a gagné 1-0 contre la Spal grâce à Alan. Et conserve un point d'avance sur la Juve, victorieuse du derby contre le Torino sur une réalisation de Sandro. Bonne opération pour le Milan, 10 matchs consécutifs sans défaite, qui bat et revient à la hauteur de la Sampdoria après là aussi une victoire 1-0, but de Bonaventura. Marco Reus offre le podium au Borussia Dortmund, l'international allemand a marqué le seul but de la rencontre à Mönchengladbach. Après 8 mois loin des terrains suite à une rupture des ligaments croisés, Reus aura donc été décisif dès son troisième match de reprise. Dortmund est provisoirement deuxième avec 2 points d'avance sur Leverkusen et Leipzig. En FA Cup, Rochdale, dernier de 3e division, a gagné le droit de visiter Wembley pour un replay contre Tottenham. Les Spurs, menés 1-0, avaient réagi avec Lucas, buteur pour sa première titularisation. Un pénalty de Kane en fin de partie aurait dû envoyer Tottenham en quart, mais dans les arrêts de jeu, Steven Davis fait rugir le public de Rochdale. 2-2, replay prévu le mercredi 28 février. EFO Olympic Stars du Burundi, c'est ce mercredi au stade du 4 août de Ouagadougou en direct sur les antennes de la télévision nationale du Burkina à 15h30. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.